Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Merci de nous retrouver dans Flash Silly. Flash Silly, lendemain d'élimination de la Guinée dans la deuxième édition du tournoi des moins de 20 ans qui se joue à Conakry. Au lendemain de cette élimination par la formation de la Sierra Leone dans la phase de poule, l'équipe de Guinée, les joueurs, le staff technique, tout le monde a quitté l'hôtel à midi, histoire de rejoindre leur club et reprendre une autre vie après cette compétition. Une compétition où la Guinée visait le trophée. Malheureusement, l'aventure s'est limitée après le troisième match. Une victoire face à la Mauritanie et match nul 0-0 face à la formation du Sénégal. L'équipe de la Guinée était très faible face à la formation de la Sierra Leone qui s'est donc imposée 3-2 dans une rencontre pourtant où c'est la Guinée qui a ouvert le score. Mais un match nul suffisait à cette équipe de Diambobo Baldé. Malheureusement, Diambobo Baldé et ses poulets ne verront pas les demi-finales. Une élimination qui a laissé de la tristesse sur les supporters guinéens. Certains se sont même montrés très fâchés et ont jeté des projectiles sur la pelouse du stade après le coup de sifflet final. Interrogé pour vous, mesdames et messieurs, le président de la commission d'organisation de ce tournoi UFOA, le général Mathurin Bangoura, également président de la Ligue guinéenne de football professionnel, n'a pas apprécié la prestation des poulains de Diambobo Baldé. Le président de la Ligue guinéenne de football professionnel n'a pas compris les changements effectués par Diambobo Baldé dans son 11 de départ face à cette formation de la Sierra Leone. Pour moi, en tant que dirigeant sportif, je dirais que c'est une piètre prestation de notre équipe nationale. Je ne trouve pas de raison qu'avec le dernier match qui pourrait nous qualifier juste avec un seul match nul, Diambobo, l'entraîneur, a pu changer complètement. L'effectif du premier 11 en tant qu'il a joué contre la Mauritanie. Donc moi je dis par endroit que c'est là où l'entraîneur a pêché. Il fallait pour moi une équipe qui a gagné et une équipe qui a fait un match nul contre le Sénégal qui est considéré aujourd'hui comme étant l'une des meilleures équipes parmi les 7. Donc je ne trouve pas de raison que entièrement, non seulement la ligne d'attaque, mais certaines pièces maîtresses soient remplacées pour ce dernier match contre la Sierra Leone. Dans ce nouveau numéro de Flash Silly, mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre les explications de Sékou Sompare sur sa collaboration avec Diambobo Baldé, l'ancien international guinéen donc, qui démarre sa carrière d'entraîneur. Sékou Sompare, entraîneur adjoint, nous parle ici de sa collaboration avec Diambobo Baldé durant cette compétition. Je tenais que depuis son arrivée, il m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup donné beaucoup d'énergie. Et dans la très bonne collaboration franche et claire, donc je suis très content de son arrivée et ça se passe très très bien. Le tournoi des moins de 20 ans est donc terminé. Les poulains de Diambobo et son staff technique vont donc se préparer pour les prochaines échéances. On verra ce que le Silly Junior va nous proposer. Et c'est ainsi que nous nous séparons dans ce nouveau numéro de Flash Silly. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Foot 224, l'essentiel de l'actualité du football guinéen continue. La Marana Djibousso au montage, Abdoulaye Camara derrière la caméra, Mohamed Amine Camara et Ibrahima Sorisso à la réalisation. Clin d'œil amical à notre ami Tcharno Amadou Makadji, ça a été un plaisir. Je vous retrouve très bientôt. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot.